fête du Saint-Sacrement, nous avons célébré une grande procession dans les rues de Châlons. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps ordinaire, mais le dimanche va être célébré de façon un peu extraordinaire, puisque neuf enfants de la paroisse vont faire une profession de foi. Alors, vous pouvez penser peut-être qu'ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a un grand nombre qui ont déjà fait leur profession de foi à la vigile pascale. C'est l'autre partie du groupe ce dimanche. Il s'agit de Édouard Bizot, Colombe de Mestre, Anselme de Taillandier, Ronan Hénard, Louis Poyer, Thibaut Vellier, Louis de Fontaine, Pierre Brune Ferreira et Nina Santiago. Bienvenue à vous, chers enfants, bienvenue à toutes vos familles qui sont présentes, peut-être aussi vos parrains, marraines, vos proches. Et je voudrais aussi accueillir, c'est aussi un autre grand événement, grand jour de joie, je voudrais aussi accueillir Erwan et Levana Bélier qui vont faire leur première communion aujourd'hui. Aussi une grande joie, ce sont deux jeunes, deux grands jeunes, adolescents, voilà, qui se sont préparés très sérieusement pour témoigner, enfin, ceux qui se sont occupés d'eux peuvent en témoigner. C'est une grande joie aussi. Bienvenue à vous et à vos familles qui vous entourent. Petit détail technique, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont des appareils photo, c'est bien, c'est un show festif. Alors, on essaiera de ne pas trop bouger pendant la célébration. Ne vous inquiétez pas, la célébration est intégralement filmée. Il y a un caméraman qui est au-dessus de vous, donc vous aurez tout. Donc, ce n'est pas nécessaire de bouger pendant la célébration. Il y aura aussi la possibilité de faire toutes les photos que vous voudrez à la fin, à la sortie, sur le parvis. Nous resterons un moment tous ensemble. Cela, ce sera bien recueilli, évitera l'agitation et nous pourrons vivre profondément cette fête de ce jour. Pour commencer cette célébration, recevoir le Seigneur, il est bon de nous préparer, de lui demander pardon, et ce sont trois enfants qui vont le faire. Nous répondrons à chaque fois avec le Kyrie après chaque prière. J'invite maintenant Louis de Fontaine, Nina et Ronan. Par un pas de t'avoir abandonné, venir, Seigneur,
Et demeurer près du Seigneur,
mais de tout à l'heure, que nous demeurions en ce corps, mais en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvrir devant le tribunal de Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il fait, soit en bien et soit en pendant qu'il est plein dans ce monde. Il s'agit plutôt d'une relation intime de cœur.
appeler ça, on peut dire que c'est une conviction déterminée. Croire, c'est cela. Croire, la foi, croire, c'est la même, il y a le même mot. Hein. Croire, on peut le décliner en plusieurs significations. Première façon de croire, c'est, par exemple, je crois que, je pense que, c'est probable, c'est possible, je crois. Bon, ça ne nous engage pas beaucoup. Hein. Je crois que, oui, peut-être que, je crois que cet après-midi il va faire du soleil. Deuxième sens, c'est je te crois, par exemple. Je crois que tu dis la vérité. C'est déjà un petit peu plus important, hein, vous voyez. Ça engage un peu plus. Je te crois, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Et puis, troisième sens, c'est je crois à, par exemple, je crois à la réalisation de quelque chose. J'ai confiance que cela va bien se passer. Je crois que je vais passer en cinquième, que j'ai bien travaillé et que ça marche bien. Je crois que ça va aboutir. Quatrième signification, et là, on rejoint ce que vous allez lire aujourd'hui, je crois en toi. Et là, je crois en toi, ça engage, vraiment. Ça veut dire je te fais confiance. J'ai confiance dans une personne, dans son engagement, dans sa parole donnée. Je peux te faire confiance. Si je peux te faire confiance, je peux te confier des choses. Peut-être que parfois vos parents vous donnent des responsabilités. Je te confie ça, je te confie ça. Ça veut dire j'ai confiance en toi. Enfin, peut-être, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont des petits frères et des petites sœurs parmi vous. Enfin, peut-être, là, ils sont déjà un peu grands, hein, certains, mais autrefois, peut-être, bah, je te fais confiance, tu vas garder ton petit frère ou ta petite sœur. Je ne suis pas là pendant quelques heures. Je te fais confiance, j'ai confiance en toi. Tout va bien se passer parce que tu vas pouvoir. J'ai pas peur, j'ai pas de crainte parce que je sais que je peux compter sur toi. Voilà. Eh bien, avoir confiance, c'est ça, compter sur quelqu'un sans remettre à quelqu'un. Et avoir confiance, avoir foi, la foi, c'est ça. Il y a une liberté qui est donnée, une réponse. Croire, c'est adhérer, engager toute son existence sans remettre, et là, parce que c'est la profession de foi, sans remettre à Dieu. Dans une décision libre, une démarche, une relation nouée, un engagement mutuel. Et vous allez faire votre profession de foi, ça veut dire que vous allez dire devant tous cette confiance que vous avez en Dieu. Cette confiance, elle s'appuie sur ceux qui ont vu, les témoins, les disciples d'Emmaüs, les apôtres. Pendant notre préparation, vous vous souvenez, on a vu le témoignage de l'histoire de Pierre. Saint-Pierre, l'apôtre, il y en a d'autres, comme Saint-Jean, comme Saint-Thomas, les évangélistes, quelques femmes comme Marie-Madeleine, ou même encore mieux, les martyrs, ceux qui ont donné leur foi pour Dieu, les saints. Elle a été offerte à nos frères orthodoxes. Nous avions une belle icône encore ces jours-ci. Il y en a dans d'autres églises de la paroisse de jeunes hommes coptes, chrétiens orthodoxes, qui au mois de février ont donné leur vie pour le Christ, simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Ils avaient 20 ans, 30 ans, très jeunes, on les a décapités sur une plage, simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Ils n'avaient rien fait. Ils étaient chrétiens, toi? Oui. Tu ne veux pas te convertir à l'islam? Non. Tu restes chrétien? Oui, je crois en Jésus, c'est mon bonheur. Et ben, on te coupe la tête. Ils ont eu confiance jusqu'au bout. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, ni pour faire quelque chose de macabre aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des témoins qui vont jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si c'est ce que le Seigneur vous demandera, hein, mais en tout cas, il vous invite à, devant tout le monde, dire cet attachement à Jésus. Ça engage, hein, vous voyez, ça engage vraiment. Alors, foi en qui? Bah, foi en Dieu qui se révèle, qui se fait connaître dans l'histoire, dans la Bible, dans l'histoire du salut. Foi en Dieu qui est connu grâce à l'Église qui nous aide à découvrir qui il est, le mystère de Dieu. Un mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais quelque chose dans lequel on entre progressivement et dont on n'aura jamais fini de faire le tour.
cette foi que l'Église va nous donner, nous transmettre dans des symboles. Vous savez, les symboles, c'est quelque chose qui nous rassemble tous ensemble. Le symbole de la France, c'est le drapeau ou le coq. Et bien, on se rassemble autour de ces symboles. Tous, on va dire, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est notre drapeau à nous. Là, notre drapeau à nous, les chrétiens, c'est le credo. C'est ça que vous proclamerez tout à l'heure, que vous lirez cette foi en Dieu. C'est un moyen d'identification, un signe de ralliement. Des martyrs ont donné leur vie pour cela. Et nous croyons en ceux qui nous ont annoncé, transmis. La foi, c'est aussi une connaissance du cœur, une connaissance que nous faisons par la foi et par les sacrements. Donc vous avez compris, hein, croire, qu'est-ce que c'est que croire? Ça peut être je te crois, je crois, je pense que, je te crois, tu dis la vérité, ou je crois à la réalisation, mais c'est surtout je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Deuxième petite chose que je voudrais vous dire, c'était la deuxième lecture de la messe. La deuxième lecture de la messe, dans la lettre de saint Paul chrétien de Corinthe, dans cette lettre, nous avons découvert une attitude qui ressemble à ce que je viens de vous dire. Un mot synonyme de la foi, qui est un des grands secrets de la vie spirituelle, la force intérieure du chrétien, c'est la confiance. Et saint Paul disait, nous avons pleine confiance. Oui, nous avons confiance. Nous cheminons dans la foi. Nous cheminons sans voir. Sur la terre, on ne voit pas Dieu avec nos yeux de chair. Paul ne se décourage pas. Il place son espérance, sa foi en Dieu. Il ne voit pas encore le plein développement du royaume de Dieu, l'avènement définitif du Christ dans le monde. Mais il est certain, c'est ça la foi, il est certain que cela arrivera sans tarder. Son désir profond est d'habiter chez le Seigneur, qu'il désigne comme habiter chez nous. Sur la terre, il se sait en exil, loin du Seigneur. Mais il sait qu'un jour, il verra le Seigneur à découvert, qu'il rencontrera le Christ face à face. Et cela ne le terrorise pas, ne lui fait pas peur, car sa recherche profonde qu'il désigne comme notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. En résumé, on pourrait dire que Paul cherche à faire la volonté de Dieu en toutes choses, et que de ce fait, même s'il vit dans les difficultés de ce monde, comme en exil, il garde confiance, car il sait que Dieu conduira l'histoire à son terme, que son règne va venir et que Paul y participera en entrant un jour dans le paradis, dans la gloire de Dieu. Alors nous sommes invités à cette attitude de confiance inconditionnelle en Dieu qui doit guider sans cesse notre vie sur terre. Enfin, dernière petite chose, la foi, c'est un chemin discret, humble et caché, mais qui est appelé à rayonner, à se développer et à grandir. Ce que nous avons vu dans l'Évangile, à travers ces deux paraboles que Jésus nous donne, ces paraboles du règne de Dieu, je pense qu'on pourrait remplacer dans ce texte le règne de Dieu par le chemin de foi. Je pense que c'est vraiment synonyme, ce chemin de foi. La première parabole, celle du grain de blé, nous parlait de la croissance discrète et invisible, mais réelle du royaume de Dieu. C'est vrai qu'elle revêt un caractère caché et mystérieux, mais qui donne une fécondité véritable. La germination est secrète, mais elle est vraiment réelle et féconde, et à la fois c'est pareil. C'est peut-être tout petit, pas caché, on ne voit pas trop ce qui se passe dans notre cœur, mais petit à petit ça grandit, ça se développe dans le secret. La deuxième parabole, c'est celle de la graine de moutarde, qui nous parle du développement étonnant et disproportionné de ce royaume de Dieu, malgré des débuts petits et insignifiants. Le royaume de Dieu est très humble et modeste, comme cette petite graine atteint une grandeur finale, un état glorieux, étonnant et insoupçonné. Il y a un contraste entre la petitesse de la graine cachée en terre, du départ, et l'ampleur de la plante au terme de sa croissance, à l'arrivée. C'est la force irrésistible du règne de Dieu. Eh bien, je crois que pour la foi, c'est pareil. Au début, c'est peut-être tout petit, tout humble, mais à la fin, le Seigneur nous invite à ce que ça soit immense, très grand, comme un grand arbuste.
décrit dans l'Évangile. Voilà. Alors nous sommes invités dans cet Évangile à ne pas à garder l'espérance et la patience, à ne pas nous décourager. Ça, c'est un poison de découragement. C'est complètement le contraire de la foi. Et ça ne vient pas de Dieu. C'est mis dans, parfois dans la terre par le mauvais. C'est un poison diabolique. Mais nous avons cette force, justement, de la foi à vivre. Quand nous avons des fois des combats, nous pouvons dire simplement cette petite phrase, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Alors justement, en conclusion, nous sommes invités à cette foi en Dieu, cette confiance. Nous sommes invités à, comme disait saint Paul, même si nous ne voyons pas encore la gloire du royaume, à avoir cette foi dans l'invisible, d'une certaine manière. Et nous sommes invités à persévérer, hein, même si c'est humble, caché, petit, cela est invité à se développer de façon immense. Seigneur Jésus, en ce dimanche, ce jour de la profession de foi, nous voulons vous dire que nous avons confiance en toi. Nous remettons humblement nos vies, notre avenir, aussi celui du monde, de nos sociétés, de notre pays, dans tes mains. Dans ton cœur. Nous savons que tu guides l'histoire. Nous espérons en toi. Nous savons que tu nous conduis vers la venue de ton règne. Garde-nous dans la paix et dans la foi. Nous te rendons grâce.
leur donner aux 4 enfants des écoles, des collèges publics et puis ensuite des écoles privées. Chers jeunes, aujourd'hui vous tenez en main ce cierge qui rappelle le baptême que vous avez reçu. La grâce du baptême vit encore en vous aujourd'hui. La grâce du baptême est vivante en celui ou celle qui a une foi vivante, en celui qui croit et qui veut mettre ses pas dans les pas de Jésus. Comme pour nous tous, votre foi devra encore se développer et s'approfondir, comme on l'a dit tout à l'heure, comme cette petite graine. Mais à l'étape de votre vie où vous êtes arrivé maintenant, à la fin de vos années de catéchisme, à proprement dit, je vous invite à proclamer solennellement la foi de l'Église que vous accueillez. Ensuite, je demanderai à l'ensemble des chrétiens ici rassemblés de proclamer leur foi après vous. Chers jeunes, maintenant, dans la force de l'Esprit Saint, proclamez votre foi. Thank you.
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est du Père avant tous les siècles. Il est né de la nature, il est de la terre, il est de la nature. Aujourd'hui,
façon pour aller chercher les... Thank you.
prions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle, et que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
et proclamons le mystère de la foi. Thank you.
sera-t-il venu le moment de la communion? Quelques rappels et consignes. Ce sont les deux grands jeunes pour leur première communion qui s'avanceront en premier, suivi de leur accompagnateur. Ensuite, les enfants qui font leur profession de foi. Je vous rappelle qu'il n'est pas du tout obligé de communier. C'est important de savoir ce que l'on fait. Croire en l'Eucharistie, en la présence réelle du Christ dans le pain consacré. Aussi être en condition, en conscience, nous savons si nous pouvons ou pas, si nous sommes préparés, si nous sommes prêts. Les personnes qui sont non baptisées, qui ont encore fait leur première communion, ou d'autres personnes qui savent qu'ils ne peuvent pas communier, peuvent approcher, recevoir la bénédiction du Seigneur en mettant bien leurs bras croisés sur la poitrine. Lorsque nous communions, si nous communions dans la main, nous communions sur place, nous ne partons pas avec l'Eucharistie, et nous répondons bien au moment où le prêtre ou la personne qui donne la communion dit le corps du Christ, nous répondons bien Amen. C'est-à-dire, je crois, c'est vrai, je suis d'accord.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle serve à l'unité dans une église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.